Dans la Bible, il va dire quoi? Pas peur. Sois courageux. Pas peur. Parce que Satan, il a pour battre. Il a plus tard que ça. Pas la carte aura la force. Pas peur. Mais une carte aura sa carte aura la te crase. Il fait l'épée. Mais toi, tu l'as la même l'épée. Amen. La parole de Dieu. Puis, il n'y a pas de lien. Pour nous mettre dans une équerre. Nous mémoriser après une cause. L'épée, c'est pas Dieu. L'épée, c'est une parole. Amen. C'est lui que c'est ça, même pas arriver. Avec quantité la foi qui te promettait. Alors, Zoti, bon Dieu, c'est toi, dis qui tu as la foi là. Pour qui peut passer dans la vie, c'est ça, partir, ça n'est pas toi, dans le pouvoir de Dieu, par le pouvoir du Saint-Esprit. Mais pour qui peut passer dans cette vie, moi, mon cas, pas connu. Mais le Saint-Esprit dit connu. Est-ce qu'il se tient assez la parole de Dieu, la connaissance, comment ça fait une attaque, quand tu dis c'est qui parole qui vont dire ce là? Amen. Moi, tu peux faire une testimonie, moi, tu viens les aïe. Je dis, toi, comme ça, mon Dieu, tiens, comme ça, mon pas pour faire de la côte, ni grand matin, ni ton Dieu, pour qu'il va les rois rentrer à venir avec ma richesse pour toi. Moi, je prends cette parole-là. Voilà. Alors, Isaïe 60. Mais là, si c'est à lui, verset 11. Dis-toi, les portes resteront ouvertes. Elles ne seront refermées ni la nuit ni le jour, afin de laisser entrer chez toi les trésors du monde et leurs rois l'un après l'autre. Me prends ça bien, c'est là, me dis ça 25 fois. Dans deux semaines, mon bien, mais mon précis, prends mon bain, mais elle a fait le 400 000 euros de la casse. 25 fois, mon dit. Qui peut faire ce qu'on prend? On ne peut pas faire de la richesse en jeu, la richesse est importante. On peut faire ce qu'on est commis et la pouvoir dans la parole de Dieu. Si je lis la Bible, je prends ma main pour, par exemple, ça, c'est qui me montre ce cas-là. Quand il y a ce comme ça, les portes, je dis mes portes resteront ouvertes, elles ne seront refermées ni nuit ni le jour, afin de laisser rentrer chez moi les trésors du monde et leurs rois l'un après l'autre. Bon Dieu, parlez de se vivre dans la misère. Bon Dieu, parlez de se vivre dans la pauvreté. Amen. Quelquefois, c'est que vous connaissez l'esprit de pauvreté là. Ils vivent en cachette, nous ça. Parce que vous connaissez un esprit de pauvreté, c'est qu'ils connaissent qui quelque part, exemple, il y a une grande parieuse, une grande, je ne sais pas qui ça fait, un bungalow. Tu penses, il s'agit même coquin ça. Et ça, j'ai mon âme, mais c'est un peu de grand la case, comme ça, sauver l'expression, hein, ne pas faire cause méchant. Mais ça, c'est pas l'esprit de pauvreté, le bon Dieu qui parle, qui nous vit dans la pauvreté. Alléluia. Et je connais quand il fait la mission de Dieu, c'est dans l'argent, pour évangéliser, c'est dans l'argent. Amen. Si nous pouvons, comment nous pouvons évangéliser? Je prends pas de verset comme ça, cette cause-là. Et d'ailleurs, pas de chronique pour vous montrer, je comment David divine les rois. Amen. David est le roi par Dieu. Qui peut dire que Dieu a déjà sélecté ceux? Si ce sont dans l'église, c'est que Dieu a sélecté ceux. Et la bande cadeau, bande don que Dieu a mis dans ceux. Amen. Première chronique, nous parlons de chronique même aujourd'hui. Amen. Pour autant que je beaucoup montre ce bande verset de la vie. Dieu n'est pas un mauvais bondier. Ça n'a pas de bonté. Mais ce qui s'est connu est une limitation. Dieu est un Dieu de discipline. La vie, l'amour de cela. L'une de nous, ça nous parle. L'une de nous, c'est l'esprit. L'une de nous, ça n'aime là. C'est nous qui décidons qui nous fait ça. L'une de nous, les temps pour répentir. Mais si arrivé, je ne vais pas faire répentir. Je ne vais pas écouter, je ne vais pas obéir à Dieu. Dieu pour reprendre la vie là. D'accord, moi. Amen. Allez, moi qui te chronique, le chapitre 10, le verset 13, du bécon Saul. Dieu t'y a dit pour venir les rois, je te rappelle, avant David. Dieu t'y pour faire Saul venir comme David le fait. Saul, David n'a pas été dans le plan de Dieu avant. Mais Dieu t'y connaît qui Saul pour faire quelque part. Amen. À cause de ça, nous préparons un. Mais Saul, tu supposais être comme David était. Mais il désobéit à Dieu. Alors, chapitre 10, chronique, le verset 13.
mourut parce qu'il avait été infidèle envers le Seigneur. Saul, il mourut parce qu'il était infidèle avec le Seigneur. Amen. L'était néglige pour obéir ce commandement. Obéir le commandement de Dieu est très important. Amen. Et il dit pas comme ça. Il avait même évoqué l'esprit de mort. Ce qui n'est pas une sorcellerie, pas une sorcière. Et la fois, je tiens mal bon qui t'a quitté ce qui t'est arrivé, qui fait, je consulte pas un esprit mort. Un esprit mort là, tu es une bonne affaire, une affaire qui t'est arrivée. Comment tu as fait une seule affaire de pourquoi tu sais qu'il peut dire toi. Il faut. Au lieu de consulter le Seigneur, ça veut dire Saul, il n'a que pas de sorcier. Il a été, il a consulté par le sorcier ou la vie, au lieu qu'il ait consulté Dieu qui élimine les rois. Ça vient de perdre confiance dans Dieu, une blinded, comme si dirait là. D'accord? Ce dernier le fit mourir et confia la royauté à David, fils de Jessé. Dieu, il a un grand plan pour Dieu. Mais quelquefois, comme un sol, nous pouvons perdre vie. Si nous pas marche dans l'obéissance de Dieu, nous pissons connaître qui Dieu est là pour nous. Tu sais qui nous fait. Nous pissons confier à Dieu. Et ce que vous voyez, David, tu sais faire toute la bataille qu'il a à faire. Nous confier au Seigneur. Papa, qui m'a dit faire là? Qui m'a dit attaquer là? Est-ce que l'attaque qui se fait gagner dans cette vie, est-ce que parce qu'il se pas fait consulter Dieu avant de faire quelque chose? Par exemple, là, il y a beaucoup de divorces. Est-ce qu'il lui dit, papa, est-ce qu'il va se noyer de sa timoune là? Comme il est content de ce qu'il a content de sa timoune là. Même lui, l'église, il y a un pasteur, ce petit fils, ce garçon, il peut santé, il peut lui. Est-ce qu'il est plus toi? J'aime se mettre beaucoup de divorces. Un timoune qui est capable, bon, mais il n'est pas plus toi. Imagine-toi si tu ne peux pas consulter le bon Dieu. Tu peux voir qu'un timoune qui n'est pas plus toi. Et si vous avez quelqu'un de Dieu, de bébé, de Saint-Timoula, te connaissez pas pour heureux ou heureux avec Saint-Timoula, ni chez là pour nous dire pas bon, ni pas de même plus joli, de même énarque là, de même plus bon Dieu qui est là, pas pour nous dire bon amour. Est-ce qu'il te consulte Dieu avant de faire n'importe qui affaire? Amen. Moi, mon apparence, moi, je fais beaucoup l'étude. Mais ça va l'étude, va pas te servir, moi, d'un homme. Est-ce qu'il veut consulter Dieu parce que ça va l'étude là? Non. Je ne fais pas. Moi, des années gaspillées, je ne fais pas l'étude qui va me rapporter. Moi, non, ni. Tu comprends, moi? Alors, tout dépend de cette la vie. Est-ce qu'il se peut obéir au commandement de Dieu? Le nom de Dieu dit comme ça. Ce dernier veut dire Dieu. Il fait donc mourir. Ça veut dire ce dernier le fit donc mourir et confier la royauté. Quand il dit comme ça, le fit donc mourir. Moi là-haut, mon montage de bon Dieu, quand tu lis comme ça, c'est Saul, même il prend son propre avis, c'est mon Dieu permis qui est arrivé. Parce que pas tu peux obéir à mon Dieu, mais tu peux faire des ordres. Tu tiens les rois, mais tu peux faire des ordres. Mais Dieu n'est pas content de ça. Alors, aussi mal, un chronique, même chapitre 10. Alors, nous allons le verset 4. Alors, Saul fait cause avec un de ses compagnons. Il dit à celui qui portait ses armes, prends ton épée et tue-moi, car je ne veux pas que ces Philistines païens me tuent eux-mêmes et se moquent de moi. Mais son porteur d'armes refusa, tellement il avait peur, ce porteur d'armes, un petit peu peur pour tuer, parce qu'il n'est pas ça. Et les rois, mais tu dis le gars, tu dis là, tu même te perds. Amen. Alors Saul, il prend son propre épée et se jeta dessus. Il s'écrit maintenant sur l'épée. Lorsque le porteur d'homme vit que son maître était mort, lui aussi, il prend sur l'épée et il mourut. Il s'est dit pour cela. T'as dit que tu ne tues pas cela, mais ma mère tue cette même. Donc tu l'as vu, si tu n'as pas mis de bon Dieu. C'est un petit monde, si Dieu, puis il y a un plan, je ne comprends pas la mission de Dieu. Il y a trop beaucoup de choses qui passent autour de nous. Il y a tout nous plaît. Nous disons qu'il peut arriver. Mais Dieu qui fait pas marche à travers ce désastre-là. C'est Dieu qui.